En plus d'être une source de purification, chers frères et chères sœurs, dans votre émission qui même me suivi, réalisée par la Grande Mosquée de Paris, nous découvrons une des visées importantes de la prière, qui est l'apaisement. Le croyant cherche dans cette prière à obtenir l'apaisement. Qui est, je le rappelle, une des, un des piliers de la prière. Que, au, qu au moment où il soit incliné, ou debout, ou prosterné, le croyant doit être apaisé, doit avoir une posture apaisée, et doit chercher l'apaisement, et bien entendu, euh, chercher ce qui va euh, euh, lui donner une source de sérénité et de bien-être et de tranquillité. La prière est une source de tranquillité. Beaucoup de gens cherchent à, à des remèdes à leur stress, à leur angoisse, à des, à des états dans lesquels ils cherchent euh, un moyen d'apaiser euh, leur, leur stress, leur, leur mal-être. Alors que la solution et devant eux c'est de se mettre en état euh, en relation en liaison avec leur créateur dans la prière la prière est donc une source de bien-être le croyant va donc euh, après s'être prosterné se mettre à genoux avec humilité positionner ses mains sur ses cuisses montrer du doigt l'index vers le ciel pour euh, Prononcer l'attestation de foi après avoir salué Dieu par des bontés, des prières et des purifications. Il dira, il purifications> Il dira il purifications> Mais aussi aura imprégné sa personnalité pour s'assurer qu'elle soit source de paix. Il dira donc comme Dieu lui demande, Assalamu le salut sur toi, au prophète, wa rahmatullahi wa barakatuh » la miséricorde de Dieu et sa bénédiction. Mais bien entendu, ainsi qu'à tous les serviteurs vertueux, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Le croyant après cela va prononcer l'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu que Dieu, seul et unique et que son prophète est l'envoyé et son serviteur. Ensuite, pour s'assurer d'être dans la voie qui plaît à Dieu, et le, le Coran est clair là-dessus, être dans le droit chemin, c'est être dans le modèle de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa Et donc manifester une forme d'allégeance et de... et de... Et, de, et de, de considérer comme étant le seul guide quant à notre manière de nous rapprocher d'Allah, c'est le modèle du prophète bien-aimé Mohammed, à qui à chaque moment nous saluons et prononçons les prières. Le croyant donc va, après avoir attesté, prononcé l'attestation de foi, rendre hommage à notre prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc s'assurer qu'il est bien dans la voie de ce sceau des prophètes que Dieu a considéré comme étant le meilleur des modèles. Il dira dans le Coran Vous avez à travers le messager de Dieu le meilleur des modèles, le meilleur des exemples. Donc le prophète, le croyant, va donc montrer combien il est reconnaissant en. Euh, euh, en prononçant des prières et des salutations sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de saluer toutes les créatures autour de lui. Il dira, « Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad, kama ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim. » Sans oublier, le patriarche de tous les prophètes, le premier à s'être intitulé et appelé « musulman, », c'est-à-dire le prophète Abraham, l'ancêtre de notre prophète bien-aimé Mohammed. Et donc, il demandera à Dieu de prier sur le prophète Mohammed ainsi que sur son ancêtre Abraham et sa famille. Il demandera ensuite les bénédictions sur notre prophète bien-aimé Mohammed ainsi que sa famille et sur celle d'Ibrahim ainsi que sa famille. Et donc, à partir de là, le croyant pourra enfin dé dévoiler, dé répandre autour de lui la paix en disant à sa droite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et sur sa gauche Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est donc clair que ce que voulait notre prophète bien-aimé Mohammed, notre modèle, à travers. Cette volonté de répandre le salam, cette volonté de euh, promouvoir la paix dans le monde et de réaliser cette fraternité universelle et non pas limitée seulement à celle d'une communauté de croyants et, et, et de délaisser les autres qui, eux, n'ont pas obtenu de Dieu cette guidance. Nous devons être comme Dieu a voulu que son prophète soit, c'est-à-dire. Une miséricorde pour les mondes. Dieu dit dans le Coran Wa ma illa rahmatan alamin répondons donc ce salam à toute l'humanité en disant à toutes et à tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.